Le roi Salomon lui-même nous dit que le kavod, que l'honneur de Dieu remplit l'espace, l'univers. Comment est-ce que l'on peut imaginer, concevoir qu'un être humain puisse construire et restreindre la présence divine entre quatre murs, entre des dizaines et des dizaines de poutres? C'est impossible, il est partout, de la même façon, avec autant de puissance. Le verset de la Torah va donner la réponse. « Ve'asuli mikdash, vous me ferez un sanctuaire, ve'shachanti betocham, et je vais résider en eux. » Nos commentateurs nous font remarquer, il y a un problème grammatical. Il aurait dû dire « et je vais résider en lui », dans le sanctuaire, en lui, au singulier. Pourtant, il est écrit en eux, au pluriel, pour nous faire comprendre qu'en réalité, à travers cette construction physique, matérielle, Dieu veut nous faire comprendre qu'il réside dans le cœur de chacun des membres du peuple d'Israël.